pêche au bar. On est mercredi en pleine semaine. Voilà, aujourd'hui il est 6h45 du matin. On va pêcher principalement à marée descendante. C'est pas la meilleure chose, mais on va voir, on va essayer différents postes et essayer de trouver la pêche, on verra bien. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Des belles taches sur le fond, des bons traits. Il y a du monde là. Poisson. Ouais. C'est vrai. Bah moi à la descente il a pris. Non mais le mec là-bas il y a plus de poisson. Ah ouais. Bah pourtant les échos que j'ai là. Ouais moi aussi un tout petit. Hein. Mets-le dans ton épuisette si tu le remontes. Oh là là, t'as un monstre. Le bœuf, hein. C'est un monstre. Oh, le hyper gros. Hein.
énorme. On montrera ça après. Ah ouais, hein. Moi aussi, c'est un monstre. Allez, 77 cm, on va le remettre à l'eau. Tac. Magnifique celui-là. Allez, repart, tout doucement. Tranquillement. Allez. C'est fou ça, hein, première touche, 77 cm. Magnifique. À changer d'endroit dès que ça meurt plus. Hein. C'est gros, hein. Un monstre encore. Voilà la bête, 67 cm d'élastique encore, 6 pouces.
Bon, après un petit problème technique, encore la vis du pédalier qui se desserre l'écrou exactement. Du coup, comme c'est un écrou nil stop, et ben il va falloir que je le change. En fait, comme cet hiver j'ai fait la maintenance du pédalier, et ben le fait de défaire l'écrou nil stop, ben voilà, ça l'a abîmé un peu, il tient plus. Du coup, ben, il va falloir que j'en commande un. Heureusement que j'ai amené une clé aujourd'hui, j'y ai pensé. Sinon, bah, j'aurais perdu encore une vis. J'aurais été obligé de me faire remorquer encore une fois. Donc voilà, heureusement que j'y ai pensé. Là, on va y retourner. J'ai pris la clé avec moi. Comme ça, je regarderai de temps en temps. Et puis, bah, on va essayer encore de faire du joli poisson. Sachant que Gilbert, lui, fait 2 barres de plus de 70. Moi, je fais 1 bar de 77. Et après, je fais 1 bar de 67. Donc voilà, tout au dollar stick. Gilbert, lui, il aura fait au fish sand hill en 150. Donc, faut pas hésiter à monter sur des grosses tailles. Moi, c'est le dollar stick 6 pouces. Donc voilà, il y a du poisson, on a peu de touches. Mais on va continuer d'insister. Là, c'est la marée descendante. On va voir. C'est pas ce que je préfère. Mais voilà, sur l'étal, début de descendante, ça a bien tapé. Là, on va voir. On va continuer. Et puis, bah, vous verrez au cours de la vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Hein, ça pousse là, hein, hein. Ça pousse. Ouais. Ouais, mais c'est bizarre ce que... Parce que... Là, le courant est toujours dans le même sens pourtant, mais ça devrait être... Non. Bah parce que là, elle descend depuis... Plus d'une heure maintenant, on arrive dans les heures les plus fortes de la marée où le courant est le plus intense. Encore, hein. De l'élastique encore. C'est pas très gros, mais c'est pas bien. C'est fou, hein. Allez, encore et toujours dans la 6 pouces. Voilà la bête. Allez. Grave. Un petit 54. Allez, retourne à l'eau. Il retourne grandir sinon.
Vois ça. Encore, ça fait une 50. Allez, on va mettre à l'autre.